de reconnaître qu'il a pris mon argent. C'est ça qui m'énerve en fait. Donc il envoie les gens m'insulter sur la toile. Il a déjà envoyé les gens m'insulter comme quoi je ne mange pas chez moi. Comme quoi je n'arrive pas à nourrir mon enfant. Comme quoi le jour où mon mari m'a épousée, j'ai fait pipi dans ma robe de mariage. Donc en fait, il envoie les gens m'insulter sur la toile maintenant. Tu comprends un peu? Donc moi, tout ce que je veux, c'est que tu touches son cœur. Tu touches le cœur de ce fémin camerounais qui s'appelle Monsieur Raymond Tchengang. Qui reconnaît l'argent. Il a mon argent dans son estomac, mon père. Son argent est dans mon argent est dans son estomac. Mon argent est dans son estomac. Il faut que tu touches son cœur pour qu'il reconnaisse ça. Parce que comme lui et moi, on n'a pas signé des papiers. Mais Dieu seul sait qu'il a mon argent dans son estomac. Oui. Je t'envoie son nom. Il s'appelle Monsieur Raymond Tchengang, l'an 2000. Je t'envoie son nom. Tu touches son cœur. Il me rembourse mon argent. C'est tout ce que je demande. Parce qu'il commence à envoyer. Tu sais qu'ici, en France, là, quand tu as des problèmes, on envoie les autres t'insulter. Il commence à envoyer les gens m'insulter. Il envoie les gens partout m'insulter. Maintenant, je reste chez moi, là. Je vois les vidéos. On prononce mon nom sur la toile. On dit que je ne peux même pas manger chez moi. Les gens m'insultent sur la toile partout, à gauche, à droite, à cause de mon argent qui est dans son ventre. Raymond Tchengang, tu as mon argent dans ton ventre, rembourse-moi. Papa, tu connais comment je suis, tu sais que je ne peux pas dire un truc comme ça qui n'est pas vrai. Si je t'appelle, ça me dit que j'ai raison. Tu comprends mon père, je ne peux pas t'appeler sur quelque chose que je n'ai pas raison. Tu comprends? Oui. Non, c'est parce qu'il y a une vidéo qui est sortie sur moi aujourd'hui. Il a envoyé ça à une fille, une de ces prostituées-là, avec qui il baisse, pour faire la vidéo sur moi, pour dire comment je ne mange pas chez moi, comment je n'arrive pas à manger chez moi. Tu comprends un peu, mon père? Il a envoyé ses putes. Il a envoyé ses putes aujourd'hui. Pour dire comment, pour m'insulter. Ils ont commencé à m'insulter. J'ai dit que quand vous m'insultez là, quand vous voulez manger mon argent, même spirituellement, je ne vais pas vous laisser. C'est pour ça que je t'appelle, mon père. Je t'appelle parce que je leur ai dit, même spirituellement, quand vous connaissez que vous avez mon argent dans votre estomac et que vous voulez me manquer le respect, je leur ai promis que les gens qui vont entrer dans mon problème, ils vont écoper. Je leur ai déjà parlé de ça. C'est pour ça que je t'appelle. Je t'appelle parce qu'ils sont déjà au courant que moi, je vais agir à ma manière. Donc, je vais t'appeler après. Je vais t'envoyer son nom après. Il faut que tu touches ton cœur. Il m'envoie mon argent. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Et les filles qui vont entrer dans mon problème, je vais t'envoyer le nom de chaque fille qui va entrer dans mon problème. Je t'envoie leur nom. Je t'envoie leur nom. Et je t'envoie l'argent pour ça. Je t'envoie l'argent pour ça. Celui qui est dans mon problème, tu anéantis les bêtises, mon père. Tu anéantis les bêtises. Tu as compris, mon père? Voilà, je t'appelle après. À tout à l'heure, après. Ok. Je vous attends. Je vous attends. Je vous attends. Je vous attends, je ne mange pas chez moi, mais je bois le champagne tous les jours. Je vous attends. Raymond Tchengang, rends-moi mon argent. Mon argent est dans ton estomac. Je suis des Manou. Raymond Tchengang, je suis des Manou. Raymond Tchengang, je suis des Manou. Je suis des Manou, l'enfant de Dieu. Raymond Tchengang, tu sais que tu as mon argent dans ton estomac. Rends-moi ça. Tu envoies ta sale bordelle m'insulter. Que je ne mange pas chez moi. Tu as une sale modèle comme ça m'insulter, Raymond Tchengang. Tu es malade dans ta tête. Tu as un problème. Je t'ai fait du bien et tu veux me donner. Je t'ai donné l'eau fraîche pour boire. L'eau fraîche. Tu veux me verser l'eau chaude, Raymond Tchengang. Tu veux me verser l'eau chaude. Tu es malade dans ta tête ou quoi? Moi, je dépose tout ici, là.
Je dépose tout ici, là. Je vous dis que je dépose tout ici. Je vous ai déjà prévenu que tant que je ne prononce pas le nom de quelqu'un dans ma vidéo, ne venez pas me provoquer. Ne venez pas me provoquer. Je vous ai prévenu. Quand je fais ma vidéo, c'est parce que Raymond Tchengang a pris mon argent. Je dois mon argent. Et Raymond Tchengang, là où il est conscient de ce que je dis. Il est très conscient de ce que je dis. Et il sait qu'il a mangé mon argent. Et il sait. C'est un... Raymond, tu es de quel village là? Où tu es Bamileke? Où tu es Yabassi? Même chez toi, Yabassi, quand tu vas aller là-bas, on va te dire, rends l'argent de la fille là. Même chez toi, Yabassi, quand tu vas aller là-bas, on va te dire, rends l'argent de la fille là. C'est ta parole, Raymond, c'est ta parole. Tu m'as donné un jour ta parole. Moi, je ne suis pas une fille scandaleuse. Hein. Je n'ai pas besoin de vues sur Facebook. Hein. Je n'ai pas besoin de vues. Hein. Je n'ai pas besoin de la star manière. Hein. Je suis déjà star. Je suis déjà nous deux albums sur le marché. Je suis déjà star. Donc, quand tu m'envoies tes messages de merde, là, où est même mon iPhone là? Je ne sais même pas où j'ai mis mon iPhone. Tu m'envoies tes messages de merde pour me dire que j'ai parlé de toi. Tu m'as donné l'autorisation de parler de toi, Raymond. Dame shit va. Hein? Tes messages là que tu m'envoies. Emmanou, tu as parlé de moi. Emmanou, prépare-toi avec la diffamation sur mon nom dans les réseaux sociaux et j'espère que tu vas me supporter. Raymond Tchengang, tu n'es rien, tu ne vaux rien. Tu ne peux pas me menacer quand tu as mon argent dans ton ventre. Idiot! Tu as mon argent. Physiquement, spirituellement, tu ne peux pas. Même Dieu va me donner la force de te combattre. Même Dieu sait que là où je parle, là, j'ai raison. Tu ne me menaces pas, Raymond. Tu es petit. Moi, je traite avec des personnalités au Cameroun. Si tu veux que je te cite un nom, mon frère. Donc, tu me vois là, au quartier, là, tu ne connais pas mes relations, Raymond. Tu ne connais pas mes relations. Hey, c'est toi qui auras honte. Dès demain, le journal du jour va me sortir un article sur ton nom. Si je manque, tape ma main. Le journal du jour sort un article sur ton nom dès demain matin. Dès lundi matin. Le journal du jour, tu connais, non? Sort un article sur ton nom. Papa, prépare-toi diffamation. Donc mon agent devient diffamation. Mon agent que tu as dans ton ventre devient diffamation. Et là, zouk va. Et là, zouk. Hein? Ok. Ok, c'est bon. Raymond Tchengang, escroc, voleur, bandit, rends-moi mon argent que tu as mangé, idiot. Prépare-toi. Je suis bien prête, je t'attends. Je suis prête. Envoie tes abeilles. Envoie tes gens. Diffamation, mon cri, ouais. Diffamation, mon œil, ouais. Hey, papa. Tu n'as même pas honte de dire que prépare-toi diffamation. Tu n'as pas honte, Raymond. Tu n'as pas honte. Tu as mangé, au lieu de suer ta bouche, tu restes dans ton coin. Tu dis, tu parles de diffamation. Ouais, mon frère. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Même le policier là qui va m'arrêter, quand je vais appeler mon pygmée, le policier va me supplier, va me donner une bière. Dame shit. Idiot. Tu vois que ton policier là, Tu es parti t'asseoir au siège là-bas pour prendre la place, pour faire des trucs des auteurs, compositeurs là. N'est-ce pas, la chaise s'est explosée? Pourquoi tu n'es pas resté assis sur la chaise là? La chaise s'est pas explosée, Raymond. Tu es venu me dire que la chaise elle s'est explosée. Pourquoi la chaise s'est explosée? Hein? Power na power. Power na power. Surtout quand le power a raison. Hein? Quand le power a raison. Tu as mon agent dans ton esprit. Moi, tu ne peux rien me faire. Même Dieu va me donner la force de te combattre. Même Dieu va me faire rencontrer Paul Biya le jour là pour toi, Raymond. Parce que Dieu, qui m'écoute parler, il sait que j'ai raison. Il va même me mettre en relation avec Paul Biya le jour là pour te combattre. Je te dis ça. Ho ha! Ho ha! Ho ha! Vous cherchez des problèmes. Tu as trouvé pointure. Chaussure à ta pointure. Donne-moi mon argent, je te laisse tranquille. Donne-moi mon argent, je te laisse tranquille. Give me my money and leave you, please. And please, envoie-moi encore tes sales putes de Paris, là. Va les
envoyer le feu. Quand ils vont dormir chez eux, on va les baiser tous les nuits. Ils vont consumer le couple. Envoie-moi. Je ne blague pas. Je dépose tout ici, là. Je dépose tout ici. Tout ça, je dépose ici. Même le, là où je suis, là, là-bas, là, dans les nuages, là, je vais déposer ça ici, là. Parce que je, c'est la vérité. La vérité triomphe. Le grand jour, tout le monde voit. Tout le monde va voir la vérité. Comme tu dis que je ne t'ai pas signé le contrat, là. Le pygmée, là, il va dire si tu as mangé ou pas. Vous commencez à dire que même les témoins, là, c'est petit. Parce que si je mens, le pygmée va me condamner. Dieu va utiliser même son fils diable pour me condamner. Si je dis la vérité, tout le monde saura ici, là. Tout le monde saura la vérité ici. Damn shit, vous menacez qui? Vous menacez qui? Vous menacez qui? Medo? Hey, basta. Una locot me. Una locot. Una locot me. Una locot me. Regardez ma tête là. Regardez ma tête. Una locot me. Je vous regarde, je ris. Una locot. Surtout quand je sais que je suis dans mon droit. Je suis dans ma raison. Je suis dans mon droit. Je vous avais prévenu que celui qui va se mêler va écoper. J'ai dit, je persiste, j'insiste. Celui qui va se mêler de ce problème de mon agent que le Raymond a mangé, Zokora a mangé, va écoper. J'ai parlé au début de ma vidéo. J'ai parlé. Je vois que le message n'est pas passé. Mais spirituellement, le message va passer. Comme physiquement, naturellement, le message ne passe pas. Je vais faire passer ce message spirituellement. Comme vous aimez quand on vous secoue. J'attends les prochaines vidéos sur moi. La prochaine personne qui fait la vidéo sur moi va recevoir le feu. C'est une promesse. La prochaine personne qui fait la vidéo sur moi concernant ma vidéo aussi, que je viens de faire par rapport à mon agent, que quelqu'un a mangé un jour, et que je ne cite pas le nom, j'ai cité le nom d'une seule personne, Raymond Tchengan, reconnais-tu avoir récupéré mon agent dans mon lit un soir à Douala et m'a donné ta parole que avant que tu ne partes du Cameroun, tu vas me rembourser. Reconnais-tu cela? Oui ou non? C'est là la question. C'est là la question. Maintenant, tu as mangé. Bon, même pas un message de reconnaissance, c'est pas un problème. Sur quoi tu envoies les gens? Même manquer le respect, dis comment je ne mange pas chez moi. Tu envoies les gens, moi qui bois le champagne à toutes les secondes, moi qui est dans ma propriété à Paris, et tu es entré dans ma propriété au Cameroun, tu es entré dans mon immeuble, tu m'as respecté, j'étais reçu avec le chivas, tu viens t'asseoir, tu envoies tes gens pour parler de moi, Raymond, tu peux parler de moi, et tu me dis diffamation, quand je réclame mon dû, prends ma vidéo, tu envoies où tu veux. Prends ma vidéo, tu envoies, c'est mon Dieu, je réclame mon Dieu, tu as mangé Raymond. C'est dans ton ventre. J'ai pas peur de toi, grand frère, tu mens. J'ai pas peur de toi. Tu n'es rien, tu peux rien me faire au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu est la vérité. Le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu de vérité. Tu ne peux rien me faire. Je te le dis, Jean 1, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Raymond, tu ne me connais pas, tu ne connais pas mon degré de relation, tu ne connais pas ma puissance spirituelle, tu ne me connais pas. Tu me vois boire le vin, mais tu ne me connais pas, mon frère. Tu ne me connais, tu ne peux rien me faire. Je te dis, Jean 1, verset 1, chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toi, Raymond, tu ne peux rien me faire. Tant que tu auras mon agent dans ton estomac, tu ne pourras jamais rien me faire parce que mon agent est dans ton estomac. Voilà ce qu'un démon nous te dit. Et si tu es intelligent, demain tu m'envoies un message, tu calmes la situation. Tu calmes, si tu es intelligent, si tu n'es pas intelligent, à la guerre comme à la guerre. À la guerre, physiquement, même spirituellement, à la guerre comme à la guerre, mon frère. Je te parle. Tu as mangé, tu dois vomir ça. Un jour, tu m'as donné ta parole, tu m'as dit, Demanou, donne-moi, avant de partir du Cameroun, je te rembourse. Ça fait un an, Raymond. Ça fait un an. Quand tu as filmé l'argent, tu as mis sur la toile. Tu m'as manqué le respect. Je t'envoie même un message, tu ne me réponds pas. Tu te prends pour qui? Tu es le Dieu? Tu oublies même les gens qui t'ont soutenu dans la merde
et tu veux me parler fort sur la toile et tu envoies les gens m'insulter. Je vous attends. Tentez-moi. Tentez-moi. Vous allez recevoir correctement et bien. Vous allez recevoir. Je vais mettre tout en direct ici, là. Tout sera en direct. Pas que je vais faire derrière. Je vous ai prévenu que ceux qui vont entrer dans ce problème, ceux-là qui vont entrer dans ce problème, dès demain, je vois une vidéo, je t'envoie le feu. Au nom de Jésus-Christ, je t'envoie le feu. Dès demain, même ce soir, tu fais une vidéo sur moi. J'appelle mon pygmée sur toi. Je vous promets ça. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Je vous envoie le feu. Pas vos conneries que vous faites là. Hein. Moi, je ne vous cherche pas. Hein. Je réclame mon Dieu. Hein. Je réclame mon argent. Hein. Comme on m'insulte que je ne mange pas chez moi. Tu envoies déjà les putes m'insulter que je ne mange pas chez moi. Hein. Moi, je ne suis pas dans vos merdes là. Hein. Je vous ai toujours dit que je suis maman des manous, l'enfant de Dieu. Hein. Je ne suis pas dans vos merdes. Hein. Moi, ma tête jette l'air, hein, Raymond. Ma tête jette l'air. Tu m'as donné ta parole, hein, Raymond Tchengang. Méfie-toi de ta parole. Quand tu m'as... Ta parole là, hein, elle va se retourner contre toi, Raymond Tchengang. Tu m'as donné ta parole. Hein. Tu m'as dit avant que tu ne quittes le Cameroun, tu vas me rembourser mon argent. Hein. Ça fait un an, hein, Raymond Tchengang. Ça fait un an, hein? Putain. Allons-y. J'ai fini avec vous. 1000 vues. Maman, vous aimez le Ndjapapé. Pardon. Quand c'est le Congo, ça vous êtes là. Quand c'est l'histoire de Dieu, je mets les louanges. Au revoir. Je ne suis plus avec vous. Allez dire à votre président qu'il me rembourse. Parce qu'il ne me rembourse pas, il va voir. Si il n'a pas. Si son argent n'a pas touché. Si mon argent n'a pas touché son estomac. C'est son estomac. Qu'on y aille, on y aille. On va voir où ça va arriver. Bon, sur ce, je vous aime. Je vous aime et j'attends les prochaines vidéos. Je vous préviens. J'ai dit, vous avez négligé, vous m'avez fait des vidéos. Moi, je préviens toujours, comme le Christ a prévenu. Comme le Christ avait prévenu. Le Christ a dit, au lever du jour, tu vas me trahir. Le coq va chanter 3 fois. Au lever du jour, le coq va chanter 3 fois. Je vous ai prévenu que la personne qui va se mêler de ce problème va écoper. Et ça, je ne blague pas. Et c'est quelqu'un qui s'assoit sur la toile. Que ce soit toi qui es à Paris. Toi, la fille Bassa, je ne prononce pas ton nom. Tu as commencé à faire des vidéos sur moi aujourd'hui. Si tu te mêles de ce problème, je ne te manque pas. Tu vas regretter ta maman. Je te préviens. Je te préviens, ma chérie. Tu as l'air de menacer les gens. Tu as l'air d'entrer dans les problèmes des gens. Tu es entré dans les problèmes de Michel Essomba et de Flore. Moi, je ne suis pas Flore. Hein? Je ne suis pas Michel Essomba. Je suis maman d'Emmanou, l'enfant de Dieu. Je suis maman d'Emmanou, l'enfant de Dieu. Je ne suis pas Flore. Je ne suis pas Michel Essomba. Quand j'ouvre ma bouche pour parler, Dieu m'est témoin. Hein? Je parle sur la Bible. Hein? Je ne parle pas pour saboter. Hein? Je ne viens pas ici saboter les gens. Hein? Ma chérie, je vous ai montré un exemple bête tout à l'heure. J'ai appelé mon pygmée en direct. Pour vous dire que si vous voulez arranger votre vie, que votre vie donne, respectez votre vie, n'entrez pas dans la vie des autres. Quand je donnais l'argent à M. Raymond Tchengang, personne n'était là. Donc les gens maintenant qui vont venir entrer dans le problème de Raymond Tchengang et moi, je vous attends. Je vous attends. Raymond Tchengang lui seul sait qu'il a mon argent dans son estomac. Si Raymond Tchengang, si je manque, dites à Raymond Tchengang que, bon, ben, qu'il fasse ce qu'il peut faire, et s'il arrive à faire, bon, ben, je lui donne ma bénédiction. Bon, ben, je lui donne ma bénédiction. Jusqu'à vous, vous permettez de vous asseoir pour dire que moi, je ne mange pas chez moi. Mais attendez, où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? Dont les gentils deviennent les méchants. Les gentils deviennent les méchants, maman. Vous avez provoqué. Vous avez provoqué. Raymond, tu m'as provoqué. Tu envoies ta pute de Paris venir me parler. Tu m'as provoqué, Raymond. Tu m'as provoqué. Et tu vas qu'assumer l'argent qui est dans ton ventre là. Tu vas assumer. Ça, fais-moi confiance. Tu vas assumer ça. Si au moins je mentais, j'allais même te faire la vidéo de même pour te dire que ouais, Raymond, excuse-moi, mais tu sais au fond de toi, Raymond. Tu sais. Dans ma chambre que tu as mangé mon argent, tu sais, tu connais, tu sais. Et tu viens, tu m'envoies les messages, tu m'envoies même pas les messages pour me calmer. Tu m'insultes. Tu envoies tes putes m'insulter. Et je vais vous laisser faire. À la guerre comme à la guerre. Le meilleur gagne.
Et la vérité triomphe. La vérité, c'est Dieu. Hein. Ce n'est pas les hommes. Hein. C'est Dieu. Et Dieu est plus fort que tout ce que vous voyez là. Dieu même peut réveiller son fils Satan pour vous combattre. Oui, Dieu est capable. Dieu est capable de tout. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Moi, je suis Démanou, l'enfant de Dieu. Je ne parle pas pour parler. Quand je parle, je pèse mes mots. Je fais ma prière, je dis Seigneur. Je dis Seigneur. Il n'y avait que ce garçon-là et moi et toi, mon Dieu, dans ma chambre ce soir-là. Seigneur, tu es témoin. Je prends Dieu pour témoin. Je prends Dieu pour mon témoin, Raymond Tchengan. Je ne manipule pas les internautes. Je ne manipule pas les gens. Je prends Dieu. Je t'ai fait confiance. Tu m'as demandé, je t'ai donné. La seule personne à qui j'ai dit que je t'ai donné, c'est Jean Manga. Jean Manga m'a dit, il ne fallait pas lui donner, il ne va jamais te rembourser. Il ne va jamais te rembourser. Mais je prends Dieu qui nous a donné, qui nous donne le souffle pour témoin de cette affaire. Raymond. Voilà. Donc sur ce, mes amis, je vous aime. J'attends les vidéos sur moi. En tout cas, vous m'avez entendu parler à des personnes qui me supportent seulement quand j'ai raison. Parce qu'avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit, ils font les check-up sur moi pour voir si j'ai tort ou j'ai raison. Ces personnes-là, quand je les soumets un problème, elles-mêmes, ils font les enquêtes à leur niveau pour voir si Maman Démanou a raison ou tort. Comme ils savent qu'ils connaissent déjà mon esprit, que quand je les appelle, c'est exactement que c'est grave, ils m'écoutent seulement, ils font ce que je demande. Donc, celle ou celui qui va se lever sur ce problème, welcome. Je vous mets le tapis rouge. Welcome. Ne dites pas après que vous n'étiez pas prévenu. Ne dites pas après que vos saletés que vous faites, que vous vous envoyez le feu là. Moi, je n'envoie pas le feu pour envoyer. Je n'envoie pas le feu pour envoyer. J'envoie le feu quand je sais que j'ai raison. J'envoie le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui est puissant. Aucun homme n'est puissant sur terre. C'est Dieu qui est puissant. J'envoie le feu quand je sais que j'ai raison. Et que je sais qu'on m'attaque pour rien. Et oui, et j'assume le feu que j'envoie. Et j'assume. Et je te dis, Raymond, tu m'aurais simplement envoyé un message pour me dire, Maman Démanou, comme tu vois là, l'agent que tu avais filmé sur la toile là, c'était un agent comme ci, comme ça. Dès que j'aurai l'argent, je vais t'envoyer l'argent. Il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas tout ça. Il n'y aurait pas les problèmes. Tu vois, non? Tu as vu, non? Tu as mangé mon argent et après tu t'es moqué de moi. Tu vois? Mets-toi à ma place. Mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Tu as mangé et tu envoies tes putes pour dire que Démanou, j'attends. Voilà une fille qui ne mange pas chez elle, mais elle boit le champagne. Hein. Elle n'a pas l'argent pour manger, mais elle a l'argent pour boire le champagne. Hein. Elle n'a pas l'argent pour manger, hein, mais j'ai l'argent pour boire le champagne. Hein. J'ai l'argent pour boire les grands cognacs. Hein. J'ai les grands cognacs, j'ai l'argent pour boire les grands cognacs. Elle n'a pas l'argent pour manger chez moi. Je n'ai pas l'argent pour manger chez moi, mais j'ai l'argent pour acheter un cognac de 500 euros. Hein. Hein? J'ai l'argent pour acheter ce cognac, 500 euros. Vous voulez voir? Vous voulez voir? Attends, je vous montre. Voilà ça. Voilà ça. J'ai l'argent pour acheter ça, hein? 500 euros, un cognac. Un cognac, un vin. Donc, moi, je n'ai pas l'argent pour manger, mais j'ai l'argent pour acheter un cognac qui coûte 500 euros. Donc, c'est une parenthèse, entre guillemets. Voilà. Donc je vous attends. Je vous attends. Je sens que mon fils va commencer encore à faire les chansons. Oh yes, oh, c'est le Rabinama. Eh, les chansons vont pleuvoir. Oh yes, oh, c'est le oh yes, oh, Bilama. On avait fait pour Fleur de Lille. Maintenant, il faut faire maintenant une nouvelle chanson avec Papa Raymond Tchengan. Je vais faire une nouvelle chanson sur le nom de Papa Raymond Tchengan avec toute sa clique de Paris là. Oh yes, c'est l'eau. Puis la main, la chanson arrive.
vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Je suis une démanou. Je vous ai toujours dit que je suis une démanou. Quelqu'un qui me tente et cope. Parce que moi, je ne cherche pas les problèmes. J'aime ce qui est bien. J'aime la paix. J'aime l'amour. J'aime l'amour de son prochain. Hein? Mon fils, je t'appelle tout à l'heure. Il y a une nouvelle chanson qui sort là. Il y a une nouvelle chanson. Oh yes, oh c'est le oh. Alors, l'Yesseng a fait que. Biloma, oh yes, oh, il y a la chanson. Et puis, il y a les pygmées qui vont prendre la relève. Il y a les pygmées. Quand tu finis de faire la chanson, on envoie le feu. Pour télé. Tu vois, non? Mon fils, on fait la chanson. Après, on envoie les pygmées. Comme ça là. Parce que. Les gens mangent l'argent des autres, ils croient qu'ils sont arrivés. Vous n'êtes pas arrivés, je suis désolée. Vous ne pouvez pas entrer dans un problème qui ne vous concerne pas, jusqu'à insulter les gens que les gens ne mangent pas chez eux. Je vous interdis ça. Je vous interdis ça. Et, vous, et quand je vais vous envoyer une seule fois le feu, vous allez confirmer que maman Demanou, là, on ne vient pas mal. Hey! Tu veux tenter, fais la vidéo demain. Tu vas voir la réplique spirituelle. Tu n'auras jamais l'occasion même de me voir comme ça. Mais je vais te combattre spirituellement. Oui. Tu n'auras jamais l'occasion de me voir. Vous doutez de Dieu? Vous doutez de Dieu? C'est lui qui a créé le monde visible et invisible. Vous doutez de la puissance de Dieu? Ne doutez jamais de Dieu. Hein? Dieu est trop puissant. Lodé de Dieu, lopé de la puissance, levé de la victoire. Aïe, toi qui me jalouse, faut continuer. Mais il y a un Dieu qui vit. Aïe, parere, viens rembourser ta fille, Demanou. Te clash pas, Raymond Tchengan. Tu as un dème. Assume ton dème. Tu m'as donné ta parole, tu n'as pas retenu. Même dans la Bible, c'est écrit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, chapitre 1, verset 1. Raymond Tchengan, tu m'as donné ta parole. Maintenant, tu veux m'insulter. Tu envoies tes filles de Paris m'insulter jusqu'à dire que je n'ai pas, que j'ai pissé. Que moi, j'ai pissé le jour de mon mariage, j'ai pissé. Maman! Non, même mes pygmées seront au courant. Vous avez appuyé sur déranger. Vous avez appuyé sur déranger. Moi, j'ai pissé le jour de mon mariage. Massa! Tous les gens qui ont parlé ça, fais! Fais sur vous! Tous les gens qui ont dit que j'ai pissé le jour de mon mariage et que Dieu seul sait que je n'ai jamais pissé dans ma culotte le jour de mon mariage. Seigneur, tu as entendu? Je prends toujours Dieu pour témoin. Dieu, tu as entendu comment on m'a insulté aujourd'hui que j'ai pissé le jour de mon mariage? Fais sur vous! Papa pygmée. Papa pygmée, tu as 500 euros lundi. Fais sur tous les gens qui m'insultent. Hey, Massa! Moi, j'ai pissé. J'ai pissé. Hey! Bravo. Aïe, en tout cas. Alors, je bois mon champagne. Celle qui a faim boit quand même du champagne. Hein? À tout moment. Hein? Celle qui a faim a quand même le frigo qui est toujours plein. Hein? Attendez, attendez, je vous montre un peu mon frigo. Celle qui a faim là, elle a son frigo qui est rempli. Hein? Celle qui a faim là, celle qui a faim, qui n'a même, qui peut même pas manger chez elle. Hein? Il y a quand même tout ça de bière, il y a quand même même des pinots, il y a tout. Même tu veux boire quoi? Il y a même la Guinness du Cameroun, oh. Si tu veux boire la Guinness, oh, il y a la Guinness du Cameroun, hein. Il y a même la Guinness du Cameroun. Regardez, c'est marqué la Guinness du Cameroun. Même les bières, je commande même, ça prend l'eau, ça prend la douane, ça vient jusqu'en France et me trouver ici, hein. Voilà sa Guinness, il y a même la Guinness du Cameroun. C'est marqué Cameroun, hein? Guinness du Cameroun. Vous avez vu, non? Cameroun. C'est marqué Guinness du Cameroun, hein? Ce n'est pas la Guinness irlandaise, hein? C'est la Guinness. J'ai payé la douane, c'est arrivé ici, là. La Guinness du Cameroun, il y a tout. Voilà ça. Hein? Donc tout est là. Celle qui a faim, là. Hein? Quelqu'un qui a faim. Hein? Son frigo est vide. Quelqu'un qui a faim. Son frigo est vide. Là, mon frigo, c'est plein. Maman de Manou n'a jamais eu faim. Les enfants de Dieu n'ont pas. Jamais. Jamais Dieu ne laissera ses enfants dans la famine. Jamais. Si Dieu laisse peut-être un jour, deux jours dans la famine, le troisième jour sera le meilleur.
Parce que Dieu triomphe, il gagne toujours. Donc voilà, je vous aime. C'était une parenthèse. Une parenthèse pour dire à Raymond Tchengan que tiens à ta parole. Papa Raymond Tchengan, tiens à ta parole. Quand tu vas tenir à ta parole, demain nous sera plus calme. Voilà, tu me fais pas peur. Je tape sur les commissaires. Tu es qui? Moi, j'arrache l'âme du commissaire. Je lui mets sur la tête. Au Cameroun, ici en France, pareil. Tu es qui? Que je ne peux pas te dire, rends-moi mon argent que tu as pris. Tu as mangé. Donc tu voulais que tu manges comme ça, je ferme ma bouche. Pourquoi tu as d'abord pris? Il ne fallait pas prendre. Il ne fallait pas prendre. Quand tu viens demander, quand tu demandais, tu étais comme un bébé. Tu étais tout petit comme ça. Dans ma chambre là, tu étais petit. Tu étais comme ça, bébé, petit, petit. Tu disais, ouais, maman Demanou. Tu m'appelais maman. Le jour là, tu m'as appelé maman Demanou. Le jour là, Raymond, tu m'as appelé maman Demanou. Ouais, maman Demanou. Comme tu vois là, j'attends quelque chose qui va arriver de l'Europe là. Vraiment, il faut que tu me dépannes un peu. Après, dès que ça vient, je t'appelle, je te rembourse. Le moment de rentrer en France, je commence à t'appeler. Ton téléphone ne passe plus. Je m'en vais voir mon ami Jean Manga. Je dis, Jean Manga, c'est comment avec ton frère Raymond Tchengan là? Il m'a dit qu'avant que je ne rentre en France, il va me rembourser. Voilà que je suis déjà en train de rentrer en France. Il ne veut pas me rembourser. C'est comment? Tu sais ce que Jean Manga a dit de toi, Raymond? Que toi, tu as l'argent. Quand tu as l'argent, tu vas prendre les gardes de corps des Arabes. Tu oublies les gens avec lesquels tu as grandi à Bepanda. Jean Manga m'a dit ça. Que tu le cherches seulement quand tu n'as plus l'argent. Et qu'il ne fallait pas que je te donne l'argent. Quand tu as l'argent, tu prends seulement les Arabes pour faire le garde du corps avec toi. Et tu cherches ton meilleur ami d'enfance, Jean Manga qui t'a aidé dans ta vie. Tu ne lui donnes rien. Après, tu viens me dire que, ouais, Ndemanou, il faut qu'on arrange le mariage de Jean Manga. Toi, Raymond, toi, tu cherches tes amis d'enfance seulement quand tu es dans la pauvreté. Quand tu es dans la pauvreté, quand tu es dans la richesse. Tu vas prendre 4 sécurités arabes. Je t'ai vu. Tu marches, tu montes dans Paris avec. Tu n'es rien, mon frère. Tu n'es rien, tu ne vaux rien. Les vrais gens vont là où ils ont commencé à grandir. Ils ne vont pas avoir des nouveaux amis quand ils sont riches. Tu es un pauvre type, même dans ta tête. Je te dis ça. Un pauvre type, tu n'es rien du tout, Raymond Tchengan. Tu ne peux rien me faire au nom de Jésus-Christ qui nous donne le souffle de vie. Tu ne peux rien me faire. Tu tentes. Tu vas voir qu'il y a femme et femme. Et il y a clitoris et clitoris dans la vie. Dans la vie. Comme tu as mon argent dans ton estomac, tous les matins, au lever du soleil, je vais mettre ma main comme ça. Que tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Si tu tentes tes bêtises là sur moi, que je fais seulement un sommeil, je te vois. Je vais mettre ma main au soleil. Tu connais chez nous, non? Pas me causer là. Je vais faire ma prière au lever du soleil. Je vais envoyer ton nom au lever du soleil, au coucher du soleil. Tu as compris? Envoie tes putes me salir. C'est là où tes putes et moi, on va porter le même. On va faire la même danse. Ben tiki, ben tiki, ben. Ben, ben tiki, ben tiki. Ben tiki, ben tiki. Ben, ben. On va danser. Vous êtes prêts pour danser, les internautes? Demanou et Raymond Tchengan, la nouvelle danse. Ben Tikin, Ben Tikin, Ben Nam. Raymond Tchengan et Demanou. Ben Tikin, Ben Tikin, Ben Nam. Cha 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 cha. Allez, allez, allez. Ni chop, allez. Allez, allez, allez. La folie, des fichas. La folie des Tchang. Vous dites que vous êtes Bassa Yaoundé. Les Tchang sont plus folles que vous. Vous mentez. Vous mentez. C'est mon Dieu. C'est la sueur de mon front. C'est la sueur de mon front. La folie des Tchang. Hé, hey, Massa. La vraie folie. Hein? Bon, je vous laisse, non? J'ai du monde là, j'ai du monde, j'ai... Mon mari est là, mon mari est là.
si mon mari me voit là, c'est pas bon. Donc, quand il fait comme ça après, j'ai bloqué mon mari dans tous mes Facebook pour qu'il ne voit pas mes conneries. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous aime. Allez dire à monsieur Raymond Tchengan. C'est ouvert. Allez dire à monsieur Raymond Tchengan que Ndeman ouvre son agent. Non. On peut pas. Boire un peu. Boire du vin, ouais. Ouais. Merci également. Allez dire à monsieur Raymond Tchengan que je suis prête. Que l'agent qui m'a pris dans ma chambre à Koto, qui est dans son estomac, il va me rembourser ça. J'ai dit. Allez lui dire. Hein? Ngangan. Allez lui dire. Le président de qui? Le président, mon œil, ouais. Quand tu as l'argent, tu penses aux gens qui t'aident. Voilà Jean Manga qui croupit là-bas au Cameroun. Tu lui avais promis de faire le passeport, de faire voyager ton frère. Ton frère. Hein? Tu es là, tu montes, tu descends avec les bordels de Paris. Ouais. C'est comment, mon ami? Ça va? Bon, les amis, je vous laisse, pardon, laissez-moi. Laissez-moi, vous aimez le Ndjapab. Laissez le président là. Il me doit. Il sait qu'il me doit. Voilà, il me doit. Donc laissez les problèmes là. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'il me fasse seulement un message. Hein? Jusqu'à les gens qui ne peuvent même pas me parler. Disent que j'ai faim. Moi, de Manou, j'ai faim. Quelqu'un qui roule en juke Wrangler. Si j'ai faim, je vends ma juke, je mange, ma chérie. Quelqu'un qui roule en juke. Attends, je vous montre les clés de ma voiture. Astra! Astra, quelqu'un qui roule en juke Wrangler. Moi, je roule en juke Wrangler. Tu dis que j'ai faim, ma chérie. En juke. Maman, La Wrangler, la Nissan Juke. Ma Wrangler est posée au Cameroun. Hein? Aide! Quelqu'un qui a au moins 4 voitures dans sa voiture, dans son immeuble au Cameroun. Voici ma Juke. Ma chérie, j'ai déjà filmé, ça y est, déjà mis sur la toile, monter, descendre, aller et retour. Tu dis que j'ai faim, maman. Maman! Tu n'as pas honte de dire que moi, Ndeman, j'ai faim. Tu ne respectes même pas les clés-ci. Tu ne respectes même pas ça. Nissan Juke, là. Tu ne respectes pas ça. 9 maisons. Hein, ma chérie? Avant même d'insulter quelqu'un, même regarde un peu sa vie avant de l'insulter, non? Regarde un peu sa vie avant de l'insulter, ma chérie. Toi, tu dis que va insulter ta copine Baganté, là. Elle est la faim parce qu'elle fait les hôtels pour baiser. Va insulter ta copine Baganté. Elle fait les hôtels à gauche, à droite, partout pour baiser. Moi, je suis sur place. D'accord? Je suis sur place. D'accord? Elle n'a pas besoin de faire les hôtels pour baiser. J'ai tout sur place. C'est Dieu, c'est pas moi. Va prier ton Dieu et arrête d'insulter les gens. Je vais te bénir comme il m'a béni. Amen. Dis amen. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Voilà notre mère qui est à Paris là. Maman Bénette, aussi tu m'entends, viens parler ici. Comment tu trouves ta fille de Manou? Comment je suis dans mon cœur? Je suis quelqu'un d'honnête et de vrai. C'est pour ça que Dieu me bénit. Et il va toujours me bénir. Et vous qui avez mangé mon argent, vous allez me rembourser. D'une manière ou d'une autre, vous allez me rembourser. J'ai parlé. I don't talk. You go pay me. You lie. Et parler même le PDG. Tu mens. Raymond Tchengan, tu mens. Tu ne peux pas m'influencer. Tu n'as pas les petits. Ça finit là où on ne m'a pas commencé. Je ne suis pas Fleur de Lille. Je ne suis pas Virus Lydia. Je ne suis pas. Je suis Maman Demanou, l'enfant de Dieu. Hein? Voilà. Me, I'm picking for God. Me. God n'a power. Na power, me, I'm speaking for God. I'm tell you. Do you understand? I'm tell you. Me, I'm speaking for God. C'est lui qui a créé.
et qui va recréer, à sa, quand il voudra. You get my money for your belly. You don't eat. You don't eat my money. My money there for your belly. You understand me? Do you understand me? You get my money for your belly. You go. Comment dire en anglais? Tu vas vomir ça. You go vomit from give me again. Ok? Tu vas vomir l'argent que tu as. Tu t'es assis sur mon lit, tu as pris là. Tu vas me donner. Ok? You get my money for your belly. Give me my money, I leave you. Je te laisse tranquille. Damn shit, va. Tu veux menacer qui? Jusqu'à ce que tu m'envoies les messages. Tu envoies les messages à qui? On se connaît où? Quand tu as faim, tu viens chez moi. Quand tu as tes millions, je te vois, Raymond Tchengang. Quand tu as tes millions, je te vois. Quand tu as faim, tu viens chez moi. Tu prends l'argent, tu manges. Maintenant, je te réclame mon argent, tu me menaces. Tu es malade. Tu menaces qui? Tu menaces qui? Chouine à monkey. Tu peux me menacer? Damn shit, va. Moi, j'ai peur de toi. Tu n'es rien, tu ne peux rien me faire. Imbécile au carré. Je dis imbécile au carré, je t'insulte aller-retour. Tu ne vas rien me faire. Tu t'amuses, j'appelle Paul Biya. Tu sais que je suis. Je peux appeler Paul Biya pour toi, Raymond. Tu sais que je peux appeler Paul Biya pour toi. Le côté de moi, là, tu ne connais pas, hein. Le côté de moi, là, tu ne connais pas. Tu sais que Dieu est puissant, non? Je peux appeler Paul Biya pour toi, Raymond. Ne te manque pas. Moi, Demanou, je t'appelle Paul Biya pour toi. Un coup de fil. Tu connais le milliardaire qu'on appelle Tagana Polycarp? Tu connais le milliardaire First Steel, Tagana? C'est mon grand frère. C'est la présidence directe. Donc, mais calme tes nerfs, là. Quand tu dis que Demanou. Tu as cru que c'est ton seul nom que j'ai chanté? Tu connais les milliardaires Bokom, Kiechang, Bokom? Ce sont mes grands frères. Bokom, le pétrolier. Tu connais? Raymond, tu crois que je suis Fleur de Lille ou Virus Lydia? Tu connais le chef Foreke, Njoumessi, que Paul Biya dit que ici c'est le chef. Là-bas, c'est. Tu connais? Tu me menaces? Tu peux me menacer? N'importe quoi. Tu es petit. Tu peux me menacer. Tu n'as pas le niveau, Raymond. Tu n'as pas le niveau pour me menacer. Tu n'as rien. Tu as mangé mon argent. Tu n'as rien. Ok? Tu as eu le fait un jour. Ça t'a aidé. Tu as soigné les artistes. Ça t'a aidé. Mais aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, va payer tes dettes chez Céline la doyenne. Va payer tes dettes. Paris 17e, restaurant la doyenne. Tu ne vas plus chez la doyenne, pourquoi? Ton nom est là-bas, hein? C'est pas moi qui mets ton nom là-bas, hein? Ton nom est là-bas. Moi, je suis arrivé là-bas pour manger, pour boire mon champagne. J'ai entendu comment on parlait de ton nom, hein? J'ai entendu, hein? Je n'ai pas seulement ajouté mon problème sur le problème. J'ai attendu même que tu m'appelles. Comme tu ne vas pas appeler, te faire la vidéo. Hein? J'ai attendu. Quand tu m'appelles, quand tu ne vas pas appeler, je te fais la vie. Tu ne peux rien me faire. Je te parle roi. Tu ne peux pas. Tu es petit. Parce que tu sais que tu as mangé mon argent. Et rembourse-moi mon argent. Et je ferme ma gueule. Voilà ce que Ndema nous te dit. Rembourse-moi, je ferme ma gueule. Et toutes tes putes que tu vas m'envoyer là. Rendez-vous spirituellement avec tes putes. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je vous attends. Si quelqu'un sait que Raymond n'a pas mangé mon argent, la personne vient m'insulter. Si quelqu'un veut prendre la défense de Raymond, que Raymond n'a pas bien mangé mon argent, la personne vient m'insulter. Voilà. Mandez-moi l'enfant de Dieu. Feu sur vous. Pour boire mon champagne. Voilà une fille qui a faim. Voilà une fille qui a pissé. Hein. J'ai pissé. Toi que j'avais donné la chanson pour insulter Fokwe. Tu dis que j'ai pissé, hein? Hey, maman, ta chanson arrive. Fais-moi confiance. Voilà.
tu as fait ta vidéo aujourd'hui. Tu dis que comme ma copine avait besoin, elle t'a tapé à Paris. Elle t'a tapé correctement et bien. À Paris là-bas. Hein? Comme elle était sur toi. Ta copine là. Celle qu'on appelle ou c'est quoi là. Elle a parlé. Hein? Elle s'est retournée. Maman, tu m'insultes. Tu as le niveau que tu as le niveau de Ndemanou. Tu as fait quoi, on a vu. Tu as déjà fait quoi, on a vu. À part le lieu 5, tu as fait quoi, on a vu. À part le lieu 5 là. À part insulter Doudou Ngamba. À part insulter, à part faire les liens, les clans pour crier là. Vous avez fait quoi, on a vu. Je suis Ndemanou. Je suis Ndemanou, oh, celle qui est gentille avec tout le monde. Celle qui reçoit tout le monde, celle qui donne à manger aux affamés. Descends à l'aéroport de Douala, même le commissaire, c'est mon père, le commissaire de Douala. Même à Douala, s'il dit que vous n'entrez pas, même toi, Raymond, tu vas payer même je ne sais pas, même 50 millions pour entrer à Douala. Si je mens, tu changes mon nom. Si je mens, tu changes mon nom. Qui a osé manger l'argent de l'enfant de Dieu et l'attaquer? Qui a osé? Maman, la folie, la vraie folie. Et je ne fume pas, hein, je bois le vin. Je ne fume pas. Je ne prends aucune drogue. Je ne fume pas. Mon problème, c'est vraiment le vin. Mon problème, c'est vraiment le vin. Je ne fume pas, moi. Je ne fume rien. Parce que le jour où je vais fumer, là. C'est-à-dire que je vais seulement marcher avec l'âme. Mon ennemi, je le vois tôt, c'est fini. Je m'avais même d'abord négocié avec le juge, même 5 ans après, il sort. Oui, c'est le jour où je fume là, ça va marcher comme ça. Avec l'âme. Massa! Massa! Vous me faites rire. On m'insulte, moi? Une noble fille, tchan, comme moi, là. Une noble, la noblesse. La noblesse des filles Chang. Les filles Foreke, la noblesse, le respect, le charisme, la beauté naturelle. La beauté naturelle, l'intelligence, la sagesse, l'amour, le cœur à main. Tout ce qui est beau, tout ce qui est positif. Maman, vous avez une dème jusqu'à... Vous avez une dème. Je vous attends. J'ai déjà activé le feu. Ça va vous brûler. Réactiver un coup de fil. Un coup de fil. Pam. Mandat 500 euros. Pam. Le feu est activé. Le feu est activé. Le feu est activé. J'amouette Wona. Je vous attends. Je vous attends. Je vous attends. Oh, Ndemanou ne mangez pas chez elle. Oh, la fille de Dieu ne mangez pas chez elle. Qui vous a dit que les enfants de Dieu ont faim? Qui vous a dit ça? C'est lui qui vous a dit que les enfants de Dieu ont faim. Il vous a menti. Qui vous a menti comme ça? Oh, que les enfants de Dieu pissent. Que les enfants de Dieu ont faim. Jamais de la vie, les enfants de Dieu n'ont jamais eu faim dans leur vie. Le second nom de Dieu, c'est le temps. Même si l'enfant de Dieu a faim aujourd'hui, demain, l'enfant de Dieu est à l'aise. Voilà. Bon, j'ai fini. Hein. Je ne lis même pas les commentaires. Il y a quoi comme commentaire là? Mafo, Paris, moi-même, j'aime ça. Bonsoir, Kota, alors. Champagne, la montée, déjà. Hein? Bon, hein? Qui veut parler? Qui veut intervenir? Qui veut intervenir? Tu as plus de 1000 vues. Enfin, je cherche pas les vues. Honnêtement, hein, excusez-moi, hein, moi je suis pas là pour les vues. Hein. Je cherche pas moi les vues. Oh. Laissez les blogueuses chercher leurs vues. Ndemanou, t'es ton pointe. Je suis moi, maman Ndemanou, très belle femme naturelle. Ne fais pas moi le maquillage, regardez. Ne fais pas le maquillage, je suis naturelle. Et ma bouche, si là, quand ça s'ouvre, c'est pour dire la vérité. Pas pour mentir.
Vraiment, tu sais que tu as mon argent dans ton banque. Viens parler. Écris-moi, tu m'envoies mon argent et te laisse. Dame, tu peux me menacer. Tu es née. Voilà ta belle-sœur Isabelle de Grémont qui t'a vendu. Hein? Elle t'a dit comment tu t'occupes pas de ta femme. Ta femme est où, Raymond? Montre l'amour comme le paysan. Montre l'amour. Montre ta part d'amour. Tu es là derrière, là, tu viens faire les prêts à gauche, à droite. Tu racontes des conneries. Mouf! Mouf! Elle me fait quoi? Envoie tes abeilles, je les envoie le feu demain. J'attends la prochaine vidéo. Je vous manque parce que vous me faites la vidéo. Vous, que le problème, ça ne concerne pas. Vous allez ressentir sur vous. La parole est lancée. J'attends. Et il y aura même les musiques qui vont sortir sur l'histoire-ci. Je vais chanter. Je suis une chanteuse. Je vais créer les textes. Je vais écrire. Après avoir boire mon champagne, ma soeur va écrire un texte là-dessus. Je vais chanter. C'est vraiment un faux président. C'est le genre de président que, hein, il va avec toi quand il a l'argent. Hein, il ne regarde pas ses amis. Quand il n'a pas l'argent, c'est là où il connaît qu'un démon existe. Il se fait tout petit comme ça. Il devient petit. Comme vous connaissez même la chenille est un peu grande. Le moustique, il devient comme un moustique, hein, tout petit comme ça. Tu vois comme il fait avec les blancs là, pour te prendre l'argent là. Il devient comme un moustique, il dit, ouais, maman Demanou, vraiment, il faut que tu m'aides. Hein. Comme ça là, avant de partir du Cameroun, je te rembourse. Hein. De toute façon, je suis sûre de ce que je dis. Je ne suis pas là pour faire le sabotage gratuit. Moi, je parle ce qui est vrai. Je parle parce qu'il est lui-même conscient que c'est vrai. Donc, ce n'est pas pour faire plaisir aux gens. Ce n'est pas pour avoir des vues. Ce qui m'a encore énervé aujourd'hui, c'est qu'il a envoyé sa pute de Paris dire comment j'ai faim, comment j'ai pissé. Et vous savez que je suis très sensible aux injures. Vous savez que moi, tant que tu m'insultes faux profil, là, je peux te laisser. Je te laisse parce que je ne te vois pas. Mais toi qui sais que je t'ai aidé un jour à insulter ma soeur Tcha, que toi tu viens t'asseoir pour dire que à cause de toi, j'ai eu des problèmes avec ma soeur parce que je voulais que la paix règne. Tu viens t'asseoir pour dire que moi j'ai pissé le jour de mon mariage. On t'a envoyé, dis aux gens qui t'ont envoyé là de se préparer. Parce que la guerre sera rude. Elle sera très rude. Parce que vous venez arracher un problème que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. C'est comme ça que vous êtes allé arracher le problème de Michel et Somba et de Flore. C'est comme ça. Parce que vous voulez vous faire remarquer sur la toile. Vous venez toujours arracher les problèmes des gens. Vous venez toujours arracher. Tu viens arracher les problèmes des gens. Vous venez toujours arracher. Voilà. Rendez-vous. On va voir. Bon, moi je vous laisse. Monsieur Raymond Tchengang, je te appelle monsieur à la fin de ma vidéo parce que tu restes un monsieur. Parce que quand on dit qu'on a aimé quelqu'un un jour, on l'aime encore un autre jour. L'erreur que tu as faite, la première erreur que tu as faite, c'est de filmer l'argent et mettre sur la toile. Alors que tu es venu chez moi, tu m'as demandé de t'aider. Je t'ai aidé de bon cœur. Quand tu filmes maintenant l'argent, tu mets sur la toile. Je viens te demander inbox de me rembourser. Tu refuses de me rembourser. Tu ne me réponds même pas. Si tu m'avais même dit, Demanou, je vais le faire quand j'aurai. On n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que j'ai fait ma vidéo hier, avant-hier. Je t'appelle, tu ne prends pas. Après, tu m'envoies un message. Tu me dis que quoi de neuf? J'ai ton message, quoi de neuf? Je fais la vidéo pour te dire que comme tu m'as envoyé le message là, ça veut dire que tu es quand même conscient, tu vas envoyer mon argent. J'ai fait une autre vidéo qui est encore sur mon Facebook pour te dire finalement, comme tu m'as écrit, j'efface les anciens numéros là. Et j'ai effacé les anciens numéros. Quand j'ai donc effacé les anciens numéros, maintenant, je vois une vidéo aujourd'hui, tu envoies ta pute avec qui tu baisses là.
pour me dire que moi je pisse le jour de mon mariage et pour me dire que j'ai faim chez moi alors que c'est toi qui as faim, Raymond. C'est toi qui as faim. C'est toi qui as faim, Raymond. C'est toi qui viens me demander à manger. Hein? Entre toi et moi, qui réclame quoi à l'autre? Qui réclame l'argent à l'autre? Hein, Raymond, tu sais que tu as faim. Tu viens me demander l'argent. Et tu envoies quelqu'un dire que j'ai faim? Raymond, sur quoi tu te moques de moi? Tu te moques de moi, Raymond? Vous ne pouvez pas. Hein? Moi, je suis l'enfant de Dieu. Hein? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, au nom de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas. Tu me rembourses ce que tu m'as pris dans ma chambre. Tu m'as dit, Demanou, avant de partir du Cameroun, je te rembourse. Maintenant, tu envoies les gens m'insulter par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Jusqu'à diffamation. Quelle diffamation? Quelle diffamation? J'ai mes témoins. Manou, elle va être témoin que je t'ai donné l'argent. Raymond. Manou, elle va être témoin. Mon voisin le plus proche. C'est chez lui que je prenais les bouteilles de whisky pour toi à les 18 ans. Tu crois que je vais me lever pour venir te saboter comme ça? Ça me ressemble, moi? Raymond, tu crois que je n'ai que ça à faire? Une grande artiste de talent comme moi, maman Demanou, l'enfant de Dieu? Tu crois que je n'ai pas la crainte de Dieu là, que je prononce tous les jours dans ma bouche? Mais s'il te plaît, mon frère, j'ai la crainte de Dieu. Et la justice de Dieu est la meilleure. La justice de Dieu est la meilleure, mon frère. J'ai vraiment la crainte de Dieu, mon frère. Si je viens là, c'est parce que tu m'as manqué de respect. Et le Dieu que je prie là, il va m'aider. Et tu ne pourras rien me faire. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Personne ne m'a envoyé les mots. Personne ne m'a envoyé te réclamer mon argent. Personne ne m'a envoyé. C'est mon esprit qui me demande que il est temps que tu me rembourses. C'est l'été. C'est l'été. Je vais acheter les petites tenues là pour aller à la plage. C'est l'été. Ça fait un an. Ça fait un an. Ça fait un an. Voilà. Donc laisse-moi les diffamations. Les diffamations de. Deux balles là. Ta petite équipe là, machiavélique là, qui venait attaquer les gens pour rien là. Rembourse tes dettes. Céline la doyenne, tu veux, si tu veux, je parle pour toi. Ne parle pas seulement derrière quand Raymond Tchenga n'est pas là. Si tu veux, je parle comme on parlait chez toi là-bas. Comme il te doit de l'argent, depuis qu'il te doit de l'argent, il a quitté ton restaurant. Il est parti. Où c'est où? Je ne sais même pas. Il est parti où là? Rembourse-moi. C'est pas un sabotage, c'est un. Je te réclame mon dû. Je ne te sabote pas, Raymond. Je te réclame ce que tu me dois. Voilà. Je te réclame ce que tu me dois. Même si c'est 100 francs CFA. Donne-moi. Je vais payer un bonbon, je vais sucer. Et puis il va te laisser ton nom tranquille. Voilà. Si c'est un centime, si c'est seulement un centime d'euro. Mais peux pas. Je ne suis pas vos gnoc gnoc gnoc. Je suis une démanou. Je suis une démanou. Je ne suis pas les gnoc 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 gnoc. Voilà. Do you understand? My juju nice. My juju. J'ai une folie qui n'a pas de nom. Et mes folies, c'est de tous les sens, spirituel, physique, tout. Tout. Et je ne cherche pas les problèmes. Et je persiste, j'insiste. Je ne cherche pas les problèmes. Mais quand tu me cherches, tu viens poser dans ma chaise de reine qu'on m'a fait asseoir à la chefferie Bamileke. À la chefferie Djoumessi. Tu viens me trouver avec mes esprits. Tu viens me trouver. Il y a plein d'esprits comme ça. Quand tu veux faire comme ça, poum, on te fait poum, 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 poum. On te fait poum, 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 poum. Tu as vu la qualité là, non? Tu as vu? Tu me fais même trop parler, toi. Tu me fais trop parler. Tu me fais trop parler, mon frère. Tu me fais trop parler. Tu me fais trop parler. Je vous attends.
Je suis prête. Je vais vous faire comme ça. Boum! 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 Venez! Venez! Santé, on boit le champagne, on célèbre la nouvelle guerre entre les États-Unis et la France. Devant nous, c'est les États-Unis. Entre les États-Unis et la France, devant nous. Comment dit Bafo, comment tu fais encore ta chanson là? Edibé Zangalewa, hey! Edibé Zangalewa, Edibé Zangalewa, hey! Zamina Minam, hey, Waka Waka, Zamina Minam Zangalewa. Attendez, je vais mettre la tenue, hein? Attendez, mets la tenue. Je mets la tenue du combat, la tenue du combat. Ouais, Mafo, prenne-moi la tenue, prenne-moi là. Prenne-moi là, le camouflet là. Zamina Minam, eh eh, Waka Waka, eh eh. Zamina Minam, Zangalewa. Anawa, ah ah. Zambo, eh eh. Zambo, eh eh. Zamina Minam, Zangalewa. Anawa, ah ah. Zamina Minam, eh eh. Waka Waka, eh eh. Zamina Minam. Monsieur Raymond Tchengar, amoussez madame devant nous. Sinon, la guerre a commencé. La guerre entre les États-Unis, la guerre entre Trump et Macron a commencé. Monsieur Raymond Tchengar, la guerre a commencé entre Trump et Macron. Est-ce que c'est entre Trump et Macron? Ou bien on va mettre quel président? Parce que Trump, là, il est trop raciste. Bon, comme on est des enfants de Dieu, on va mettre... La guerre a commencé entre... Boum! Hein? Raymond Tchengang prend. Boum! Raymond Tchengang. Boum! Raymond Tchengang. Boum! Voilà. La guerre a commencé. Bon, j'attends les abeilles de Monsieur Raymond Tchengang. Ok, tout à l'heure, mon frère. J'attends vos abeilles. Mes pygmées sont prêts. J'attends vos abeilles. J'attends les abeilles de Monsieur Raymond Tchengang. Hey, Landemi, pourquoi tu es venu me demander l'argent? Pourquoi? Why don't come take my money? Why don't come take my money? No, take my money, but my juju nai. No, take my money. The money is the time is the money. L'Américain dit, le temps c'est l'argent, l'argent c'est le temps. The money is the time is the money. Give me my money. Donne-moi mon argent. Give me my money. Allez. J'ai parlé. C'était votre actrice, Maman Demanou, l'enfant de Dieu. La vérité et rien que la vérité nous affranchira au nom puissant de Jésus-Christ. Et je scelle cette journée dans le sang de Christ et toutes mes vidéos dans le sang de Christ. C'est Dieu qui gagne dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Bonne fête de la musique. Mouah. Raymond Tchengang. Mouah.